Les objets de collection qui s'arrachent aux enchères aujourd'hui. Nous avons tous entendu l'histoire de l'enfant qui trouve par hasard une bande dessinée d'une valeur inestimable dans une friperie. Certaines des plus grosses ventes de l'histoire ont été générées par des trouvailles inattendues. Ces objets sont pour la plupart anodins et font ou ont fait partie de notre maison à un moment donné. La valeur de ces petites choses dépend certes de leur rareté mais aussi de l'attrait que les collectionneurs peuvent porter. Qu'il s'agisse d'images de sportifs ou de canettes de Coca-Cola, tout objet peut, à un moment donné, valoir plusieurs millions. En regardant ces vidéos 300 au total, vous allez découvrir certains objets de collection les plus précieux, cela vous donnera peut-être envie de vous aventurer dans le grenier, celui-ci cache peut-être un trésor. 2. Talons de billets pour la Série mondiale de 1927. Fabricant, Ligue majeure de baseball. Valeur à l'époque, 1 dollar. Valeur aujourd'hui, 41 825 dollars. En 1927, les Yankees avec les légendes Babe Ruth et Lou Gehrig ont remporté un record de 110 matchs et ont terminé avec une énorme avance de 19 matchs. Considérée comme la meilleure équipe de l'histoire du baseball, si vous avez assisté aux séries, vous avez été témoin de ce qui se fait de mieux dans le baseball, selon les fans. À tel point que même un simple talon de billet peut rapporter plus de 40 000 dollars. Les collectionneurs ne badinent pas avec les événements sportifs, et vous comprenez pourquoi. Les billets ont coûté environ un dollar, ce qui représente un retour sur investissement plutôt impressionnant. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together.